Silas, t'es où? T'es où? T'es là. Mid. Ouh, boum, boum, boum. Best KDA, Star Challenge, Planar. Ça, c'est trop bien, ils ont tellement... Yes, no, maybe. Jungler, ah bah. Je vais l'avoir. Oui, mid. Ok, on est bon. Faites que ça ne dodge pas, s'il vous plaît. On croit récemment en Dieu. On est libre de faire ce qu'on veut, d'ailleurs. Hein, s'il vous plaît. Je crois en la Triforce. Là, vous la voyez à gauche, en fait. Il n'y a plus vraiment besoin de présenter Quarterback. Il y a beaucoup de gens. On est plus de 5000 dans le club Rukunai. Vous pouvez rejoindre le club avec le lien en bas de la vidéo ou dans les commentaires aussi. Merci, vous êtes trop nombreux. Et on est à chaque fois presque dans les premiers. Bon, là, on vient d'être dans la division 1 avec Red Mercy et tout. 1 million d'abonnés, ça va être compliqué, les gars. Mais merci à vous tous, c'est vraiment stylé de fou. Et du coup, cette saison-ci, les 100 premiers vont avoir la chance que un trophée égale 15 pièces. Donc les 100 premiers, ils vont avoir plein de pièces et pas mal de skins, de choix de skins. Donc ça, c'est cool. Il y a déjà le skin Silas qui est disponible en plus, si vous le voulez, avec l'application. L'application, c'est pour se challenger seul ou maintenant avec un ami. Il y a une nouvelle option où vous pouvez jouer en coop avec un ami. Et ça va être trop bien. L'application, je le rappelle, est en bêta. Il y a parfois des bugs et ils améliorent l'application non-stop. Là, j'ai pu lancer le défi instant et c'est trop bien. Je vais jouer potion de corruption. Autre chose, moi les 5 premiers de cette semaine, parce que la nouvelle saison elle vient de commencer juste maintenant, les 5 premiers, je vais offrir des skins mystères aux 5 premiers. Et au premier, il aura le choix, un skin épique ou moins de la boutique qui est disponible, je vais l'ajouter en ami, etc. Autre chose, dans cette vidéo, oui là c'est le full, il y a plein de cadeaux à gagner. Dans cette vidéo, il y a un petit défi, je vais essayer de pas mourir. C'est pour ça que je fais un défi KDA, vous voyez peut-être en haut à gauche. Je fais un défi KDA en fait, donc le défi KDA c'est tu dois avoir le meilleur KDA. Et plus je meurs, plus je vais devoir donner de cadeaux à quelqu'un qui aura commenté sous la vidéo. Donc première mort, je dois un code Sivir. Et les autres morts, ce sera en fait des RP ou des skins mystères pour lui. Donc vraiment, si je meurs plus de 5 fois, le mec c'est Jackbox, c'est le loto. C'est le loto s'il gagne. Donc évidemment, je vais essayer de tryhard, de pas mourir trop de fois. Parce que j'ai envie de voir un peu si on est capable de jouer un petit peu plus safe, parce que je suis quelqu'un qui joue beaucoup trop agressif, vous me connaissez. Un petit peu. Dommage, je crois qu'elle a même pas eu. Elle a pas eu. Et je rate en plus, ça, c'est pas grave. Le jungler, c'est qui? C'est Lee Sin, on va essayer de faire gaffe, en effet, ça peut être dérangeant. Ouais, ça touche. Je joue avec quoi? Je joue avec Electrocute, très bien. C'est bien ça. Pas mal, bonne agression là, si je peux avoir le clone en vrai. Ah non, le clone il a level up. Le clone il a level up. J'ai même pas pu le finir. Bon là j'ai utilisé une potion un petit peu trop greedy. Là je vais essayer d'esquiver son W avec mon E. On va voir si on est capable. Ok, Lee Sin est là, parfait. Très bien ça. J'aime bien Silas juste pour ça aussi. C'est que t'es assez safe en lane avec le dash. Ma ward était bien posée ici. Elle a encore une potion comme moi. On lui fait quelques dégâts. Très bien ça. Bon, je fais un petit peu le foufou. Non, canon. Jinx, GG, ça a bien joué les gars. Allez, je me tire. Je prends quoi? Saut noir, bot, on est bien. Saut noir, bot, on est bien avec les potions de corruption. J'ai pas de contrôle ward contre un Lee Sin, c'est moyen. On va devoir jouer un petit peu plus safe. Il y a déjà 3-0 pour une équipe. Là, quand ton équipe est en 3-0, prends pas de risque. Évidemment, reste pas dans ton coin en mode sous-tour, parce que là, le blanc va pouvoir décaler et ça peut faire yesh. Mais t'as pas besoin de prendre d'énormes risques. Nice. Nice, ouh, on fait péter le clone qui est chiant. Ça touche deux fois, très bien. Le Lee Sin, je le respecte pas trop là. Je sais pas trop où il est. Pas les gars. Ah, mais en fait, il y a Warwick à côté, du coup, ça me dérange pas trop là. Boum, boum, boum. Petite ward ici. Warwick est là. Je vais essayer. En fait, j'aime bien quand mon jungler est à côté de moi, j'aime bien parce que je peux le suivre. Et si on trouve le jungler en face, bah c'est cool. Bah, on peut le détruire quoi. Merde. Allez, niveau 6. Oh shit.
Let's go. J'aime trop comment jungler est à côté de moi en fait. T'as l'impression que t'as ton grand frère, tu vois, qui peut te protéger, genre. C'est Pascal le grand frère quand il est à côté. C'est ça ? T'as dans l'humour, quoi. D'être niveau 6, donc ça, c'est très bien. Par contre, l'ultime de Leblanc, c'est pas ouf, qu'on soit clair. 5-0, la game se passe très très bien. Ne vous inquiétez pas, même si je ne meurs pas, il y aura un code civir quoi qu'il arrive à gagner. Pour participer, un commentaire sous la vidéo. Évitez de d'écrire n'importe quoi, sinon vous serez dans la catégorie de spam, corbeille, etc. Donc faites attention. Bonne chance tout le monde. Je prendrai aléatoirement via un site, donc bonne chance. Enfin, c'est pas ouf ce que j'ai fait. Ah, c'est archi nul l'ultime de Leblanc. Je l'ai pas fait de dégâts. Oh mon dieu, c'était naze. Par contre là... Pourquoi j'ai fait ça, Lee Sin, il est où? Putain, plus jamais je refais ça, mais oh putain, il est là-bas en plus. Il a pas réussi son ward dash. Son ward jump, je veux dire. On a fait le fou, hein. On a fait les fous, là. Parce qu'en fait, on voyait rien sur la carte. C'était tellement risqué, ce que j'ai fait. Donc, je rappelle, si je meurs plus d'une fois, la première mort, c'est le code civil. Et après les morts, ce sera des RP et des skins mystères pour celui qui va être choisi aléatoirement dans les commentaires. Donc bonne chance à tous les amis. Par contre j'espère que c'est pas open bot là, t'es pas sérieux là, c'est quoi cette game? On va devoir jouer encore plus violent là. Parce que moi je vais tester l'ultime de Lee Sin déjà là. Ah bah super ça les amis, super comme game, c'est vraiment bien. Ok, vous savez quoi? C'est pas mes morts, c'est les morts de toute l'équipe le giveaway, ok? Non je devrais peut-être pas dire ça là. Ouais vous savez quoi? Toutes les morts de mon équipe, ce sera un giveaway. Bah je veux dire un cadeau en plus. Ne hintez pas les gars, pas de hint hein. Non, 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 hop. J'arrive. Oh, il a sauvé. Non, non, ah. Et 2-1. Faites pas les fous, les gars. Ah, ça, c'est une tour. D'accord. Ah oui, il y a encore cette tour-là. D'accord, très bien. Bonjour, monsieur, dame. Ah. C'est chiant. Non, 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 non. J'arrive. Dégage de mon copain, toi! Quoi? Il est parti où? Mais ils sont en train de finir la game! J'ai pas envie de mourir non plus, moi. Meurs pas, gros, meurs pas. Ils sont sérieux? Elle a avalé le mur. Elle l'a pas mangé, elle l'a avalé. Mais putain, c'est quoi cette game? Mais ils finissent vraiment eux? Grosse game, hein. Grosse game. Bon, vous savez quoi? Je vais être gentil. Vu que c'est un Yasuo qui est mort, c'est x4, la mort. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui est choisi... Mais il a vraiment AFK, lui. Celui qui va être choisi dans les commentaires, il va recevoir, donc, un code civir, 5€ de RP et 2 skins mystères. Plus le code civir, donc le skin de civir, le champion, le skin de civir, Blood Moon, plus son chroma qui est exclusif des partenaires League of Legends. Du coup, bonne chance tout le monde. Amusez-vous, Silas, Silas. Très bonne game, encore une fois. On se demande qui est mort dans la game. Allez, à plus tout le monde. Et bonne chance dans le club. Faites des challenges, amusez-vous. Et à très bientôt, ciao.